Partie 3. Voyons maintenant des variations sur le sourdo et des variations sur les petites percues avec un son sur le pas de tambourine et de caisse claire. Donc on part sur le rythme de base qu'on pourrait appeler afoche, arastapé ou shot. Hein? Rythme de base, ça va être ça. Le deuxième rythme. Avec les mêmes variations sur les petites percussions. 1, 2, 3, 4. Rythme numéro 3.
1, 2, 3, 4. Voilà, donc à travers tous ces exemples, vous avez maintenant de quoi pouvoir naviguer à travers les variantes sur le surdo ici et les possibilités rythmiques qu'on a vues. Vous pouvez tout mélanger et ouvrir votre jeu.